retour, on est dimanche 18 août et je voulais vous partager un achat de folie que j'ai fait. Je l'ai fait parce que, en fait, donc en gros, c'est un ordinateur, mais là, c'est l'ordinateur, j'ai envie de vous dire, de ma vie, mais non, parce que je sais que j'en aurai d'autres. Mais donc en fait, on avait un ordinateur, on était sur HP depuis, je crois, 6 ans que je l'ai cet ordinateur et il m'allait bien jusqu'à maintenant et ces derniers temps, il ramait beaucoup, même si je mettais tous mes dossiers sur un disque dur externe, ça ramait. Je ne vous cache pas qu'au premier montage, c'était une galère, je mettais des heures, voilà, parce que je ne pouvais jamais voir les accélérés plus le son que je rajoute en temps réel, ce que ça donnait tellement que ça buguait, ça faisait vraiment du saccadé tout le temps, j'en avais vraiment marre. Et là, arrive un moment, je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit plaisir, un petit cadeau. Et c'est la première fois que je prends un MacBook Air. Voilà, donc j'ai vraiment fait cet achat de folie. Ça faisait longtemps que je le regardais. Même si tu diras que j'ai fait un achat compulsif, non, ça fait très longtemps que je le regardais, que je regardais les MacBooks, parce que je sais qu'ils ont une fluidité au niveau de leur... voilà, c'est pas rien, hein. C'est comme mon téléphone, je suis chez Apple et je reviendrai plus jamais en arrière sur un autre appareil, tellement que voilà, ça va vite, ça a une mémoire intense, on peut faire de super choses dessus, enfin c'est hyper maniable, voilà, donc moi ça me correspondait très bien, voilà. Donc moi je sais que j'ai de l'iPhone 11, les ados aussi, je leur ai pris, il y a que juste Fanny qui a un iPhone 7, je crois, ou 8, je ne sais plus. Mais franchement, on en est tous très satisfaits. Il y a que Teddy qui a encore du mal à aller sur iPhone, mais bon, ça après, c'est pas grave. Lui, d'ailleurs, faut que je lui commande un autre téléphone parce qu'il y a des changements qui arrivent prochainement. Et il va vraiment faire qu'il a un super téléphone qui capte bien partout et compagnie. Donc voilà. Donc je vous présente mon achat de folie. Il est comme ça. Et j'adore la couleur. Donc bien sûr, j'ai choisi sa petite couleur, hein, on est bien d'accord. Hein. Il est plat, fin, fluide. Franchement, je l'ai ouvert hier parce que je l'ai reçu hier. Et ça cartonne. Je suis encore en train d'installer des petites applications, des petites choses. Enfin, franchement, depuis hier soir, je me suis éclatée dessus. C'est le 13 plus que j'ai pris. Et lundi, là, bah demain, je vais recevoir sa housse aussi que j'ai pris. J'ai pris aussi un branchement pour que je puisse mettre mes cartes mémoire. Voilà, pour un brancher, parce qu'en fait finalement celui-ci, vu que c'est pas un gros ordinateur, il n'y a pas les cartes, on peut pas mettre directement les cartes mémoire, enfin je sais pas, après je ne suis pas renseignée sur les autres formats de cette marque là, mais bon, donc moi je leur ajoute tout ça, je les ai commandés, ça arrive demain, c'est trois petites bricoles et ça ira très bien, donc voilà, ça c'était l'achat de colis. Sinon, je voulais répondre aussi à une question qui m'avait été posée en commentaire, à savoir pourquoi on a parti la caravane cette année pour partir en vacances. Je vais aller retourner les légumes et je vous reviens. Ça y est, je suis de retour. Alors, donc pour répondre à cette fameuse question, c'est tout simple, c'est parce que finalement cette année, on avait 3 semaines en commun avec Teddy. Moi j'ai pris 4 semaines, lui on ne sait pas avec les changements qui vont arriver si c'est 3 ou 4 semaines, on verra ce que ça va donner. Mais en attendant, on avait 3 semaines en commun avec aussi Dylan qui a un apprentissage. Et on avait une idée au départ du départ où est-ce qu'on voulait aller. Ça ne matchait pas avec notre composition familiale. Donc voilà, donc finalement on a laissé couler et les mois passaient et on n'avait toujours rien. Donc après on s'est dit pourquoi pas faire 3 destinations différentes pour nos 3 semaines de vacances. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris la caravane, parce que c'est vrai que sur donc on a été au Puy-de-Dôme, donc on n'est pas resté très longtemps. Ça fait beaucoup de gestion d'installer la caravane, de la charger, de la décharger, de la nettoyer. Et donc voilà, après on a fait. Puis en plus au Puy-de-Dôme, on était chez des amis, donc voilà, on était logés. Après on a été. Là on revient de Royan, donc on avait trouvé un mobilhome finalement pour nous 8, quasiment au même prix que si on prenait la caravane. Donc c'est vrai que voilà, cette année on n'avait pas envie de se charger avec ça de la tête. Et en plus surtout c'est qu'on est en projet de vendre notre caravane. Voilà.
Donc il y avait tout ça aussi qui se mélangeait de entre deux, parce que notre caravane, elle est géniale, on l'adore. Mais sauf que les enfants grandissent et les enfants finissent en toile de tente, donc notre caravane ne correspond plus à nos besoins qu'on a à notre famille, enfin ne correspond plus à notre famille. Donc on va la vendre et on va en prendre une autre, hein. Ça c'est pas un problème parce que c'est ça qu'on adore. Donc on va en retrouver une autre qui sera plus adaptée à notre composition familiale, parce que nos enfants grandissent, on ne sait pas combien de temps ils vont partir encore avec nous, les aînés. Donc voilà, il y a toutes ces interrogations, on est un peu dans la vase, la période, vous savez, entre deux heures. Où c'est grand mais pas très grand encore. Bon. Donc ça, et là la semaine prochaine, voilà, on part encore 3 jours, mais on a pris un Airbnb cette fois-ci, donc pas besoin de la caravane. Voilà. Donc la raison pour laquelle on n'a pas pris la caravane cette année, mais vous inquiétez pas, normalement. On verra ce que ça donnera l'été prochain, soit normalement on aimerait bien qu'elle parte avant l'été prochain, la caravane, et qu'on en ait une autre. Mais bon. On verra, parce qu'il y a encore plein de projets, plein de choses qui vont se faire durant l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est ce qu'il en était déjà pour cette année. Sinon, ce matin, on a été prendre l'air avec Teddy. On a marché 1h30, ça nous a fait trop du bien. Franchement, il faisait beau, il faisait pas trop chaud. On a pu marcher à un bon petit rythme. Pour une reprise, c'était plutôt pas mal. On s'est dit qu'on allait garder ça tous les dimanches matin, essayer d'aller marcher tous les deux. Essayer d'intensifier un peu notre rythme de marche aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Là, le repas est prêt, enfin, est en train de se faire. Donc, c'est des potatoes maison. Que j'ai mis au four, on a fait des courgettes avec du jardin et je vais rajouter de la viande hachée, plein d'épices parce qu'on adore les épices, et ça sera bien pour aujourd'hui. J'ai ma to-do list aussi qu'il faut que je tienne, parce que là il y en a 3 jours, mais c'est 3 jours franchement où je me suis fait mes listes et il faut vraiment mes petites to-do list là, je les tienne pour que je puisse avoir un esprit tranquille quand je vais reprendre le boulot et quand les enfants vont reprendre l'école. Mais on verra, on en reparlera d'ici là, parce que là, franchement, clairement, je suis pas certaine d'être dans les clous. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous embarque avec moi pendant la journée, ou pas. Je sais pas comment ça va s'organiser trop encore aujourd'hui, parce qu'on doit récupérer Wendy aussi, qui a été un anniversaire chez une amie hier soir. Donc, on va voir comment ça va s'organiser cette journée. Mais je vous emmène, je pense bien, avec moi quand même. Allez, à bientôt! Une dernière fois pour clôturer le vlog, parce qu'il est 8h20, faut que j'aille préparer le dîner. Dylan ce soir, lui, il sera pas présent, mais Wendy, elle, est rentrée. Voilà, on fait un roulement avec les ados. De mon côté, franchement, j'ai bien bossé. J'ai dû bosser 3 ou 4 heures, non 3 heures je pense quand même. Dans ma pièce, j'ai donc monté ma petite chaise et voilà, je pense vraiment en prendre une deuxième qui est là. Teddy, lui, prochainement, il va me couper les pieds, comme ça sera à la bonne hauteur. J'ai fait mes plannings pour le mois de septembre. J'en ai encore à continuer, que je dois mettre dans mes petites pochettes ici pour m'organiser dans les activités manuelles, que je vais prendre l'avance. Enfin voilà, j'ai vraiment bien avancé sur toute cette partie-là.
sur ce que je dois aussi. Parce qu'en fait, avant de reprendre, je fais un message aux parents. Donc voilà, donc j'ai noté aussi tous les sujets que je veux aborder sur mon message. Enfin voilà, donc j'ai bien bossé au niveau professionnel. Donc voilà, allez, je vous laisse et puis on se retrouve très vite. À bientôt.